Ça s'est très très bien passé et en plus de ça, c'est pour la première fois apparemment qu'on nous reçoit dans un château comme ça, donc du coup ça fait un peu plus solennel et franchement c'était super. Je me suis senti honoré de cette occasion. Effectivement, le sous-préfet nous a rappelé que c'était une première pour notre groupe d'avoir à recevoir notre citoyenneté dans un cadre historique. Donc ça rend cette cérémonie assez particulière et unique. La France a la chance d'avoir une épaisseur historique qui se voit avec cette multitude de bâtiments historiques. Et je pense que quand on devient français, eh bien, on connaît déjà partiellement cette histoire, cette épaisseur historique. On l'apprécie certainement. Et là, eh bien, on peut en profiter directement. Nous accueillons dans une nationalité. Et puis, celles et ceux qui reçoivent leur décret voient ici l'aboutissement de leur démarche, qui ont été parfois longues, un peu chaotiques. Et pour eux, c'est un grand jour. Et le fait que ça se passe dans un château comme celui-ci, à mon avis, renforce encore cet aspect. Bien, s'il vous plaît.